Bonsoir à tous. Merci de votre aimable fidélité au rendez-vous de l'émission agricole Braves Paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Vous faites bien de nous rester fidèles. Nous avons une surprise pour tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, car au cours de ces 26 minutes, vous découvrirez un brave paysan qui a occupé de très hautes fonctions au niveau de l'État de Côte d'Ivoire et a décidé en ce début d'année d'ouvrir les portes de ses plantations à l'équipe de Ava. C'est une exclusivité. Restez en notre compagnie pour avoir toutes les informations et pour passer un 26 minutes que vous n'oublierez pas de sitôt. Suivez-moi. Le président Henri Konabédié, ce sage et discret homme d'État, s'est vu honoré d'ouvrir en exclusivité les portes de son immense complexe agro-industriel de renommée Bédié-Cro à l'équipe de Ava, conduite par sa dynamique présidente, Mme Jennifer Serres. En effet, Bédié-Cro est un complément situé à 25 km de Daoukro, où vivent plus de 800 familles de manœuvres travaillant dans les plantations de notre illustre hôte. À Bédié-Cro, on retrouve une diversité de populations et d'ethnies vivant en de bons termes et dans un environnement adéquat. Malgré le poids de l'âge et ses différentes fonctions au sommet de l'État, cet insatiable bâtisseur a tenu à faire visiter à toute la délégation, sous le regard bienveillant du ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobena Adjumani, les fruits de sa passion et de son engagement pour le travail de la terre. Débuté à la maison de réception des hôtes du campement, l'exploration s'est orientée en premier vers le champ expérimental de VA. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous permettre de passer cette journée en votre compagnie. C'est un bonheur. Je suis sûre que tous ceux qui nous suivent dans le monde entier se disent « Mais on n'a pas l'habitude de voir le Président dans un tel environnement. » On l'a connu chef d'État, on l'a connu vraiment à de très très hautes fonctions. Aujourd'hui, il est dans des plantations. Qu'est-ce que ça voudrait dire Monsieur le Président? Bien, en Côte d'Ivoire, depuis Oufoué-Boigny, jusqu'à moi-même, qu'on a l'habitude de voir un président au champ. C'est la traduction au concret de ce que nous enseignons à la population. L'agriculture, l'amour de la terre, le travail de la terre, c'est ici. Alors qu'on disait que la région n'est pas propice à la culture de l'EVA, j'ai commencé cette plantation. Nous sommes dans la partie expérimentale ici. D'accord. Qui date de 1994. Wow. L'expérience a réussi et beaucoup de paysans se sont mis à la culture de l'EVA. Très bien. Et aujourd'hui, on peut dire que les choses se passent bien alors au niveau de la région. On retrouve beaucoup de paysans grâce à ce que vous avez initié. Absolument. Et quand on parle également de la culture de la noix de cajou, c'est vous, mais vous n'en faites pas aussi. Non. Ici, quelques-uns en font. D'accord. Mais c'est pas vous qui moi. Avez, vraiment... Il y a une culture que j'avais voulu introduire dans la région de Bondoukou, à Tanda, le roukoumier qui malheureusement n'a pas pris. Le roukoumier, Monsieur le Président? Le roukoumier. C'est une plante, oui, qui donne des fruits entourés de pulpe et qui est rouge et qui sert à faire de la teinture. Ah! Oui, pour les pagnes. D'accord. Le papier. Mais Monsieur le Président, on voit que vous vous connaissez bien en agriculture. Hein? Ah. Donc depuis des lustres, vous êtes intéressé et vous aimez le travail de la terre. Mais d'où c'est venu? Est-ce que c'est le père fondateur qui vous a contaminé avec cette passion de l'agriculture? Oui, il y a le père fondateur, le président Oufoué-Boigny. Mais il y a aussi le fait que nous sommes de père en fils agriculteurs dans cette région. Avant, c'était le cacao, le café,
Et maintenant, c'est levé à l'ANACAR. D'accord, très bien. Donc, il faut rappeler aux téléspectateurs que nous sommes venus à Daokro. Et ici, nous avons passé Bédié-Cro. Hein. C'est absolument, tout voilà, à fait. Vraiment que vous avez créé pour que tous ceux qui travaillent, on va dire c'est environ 600 personnes, plus de 600 personnes, en période de pointe, ils sont 800. Ah, donc ils travaillent, qu'ils sont bien nourris, ils ont tout ce qu'il absolument, faut. Absolument, ils ont tout ce qu'il faut pour manger parce qu'ils cultivent eux-mêmes l'igname, la banane, plantain, le maïs. Le maïs. Et du coup, Monsieur le Président, moi j'ai envie de rester à Bédié-Cro parce que vraiment... Ben, vous pouvez. Merci Monsieur le Président. Vous serez en sécurité ici. Merci Monsieur le Président. Alors, il faut rappeler que c'est la première étape de notre visite. Nous sommes dans la plantation d'EVA. Ouais. Donc c'est ici que tout a commencé. Je voudrais vous dire également que toute cette région, c'était la forêt vierge. Ah. Ou presque vierge. D'accord. Où les Baoulés qui font depuis leur arrivée en Côte d'Ivoire la navette entre le Zi et la Komoué, les Baoulés de cette région pratiquent l'agriculture de migration. Ils vont soit de la Komoué jusqu'au Zi et après ils reviennent. Ce cycle dure à peu près 150 ans. Donc quand je parle de forêt vierge, c'est des forêts en 46 jusqu'en 51 dans la région où nous sommes, des forêts de plus de 150 ans. Ok, génial. Donc après ici, Monsieur le Président, on ira où? Nous allons visiter la plus grande plantation d'EVA maintenant. Très bien, Monsieur le Puis Président. Puis les barrages. Ok. Les bas-fonds. Ah, nous invitons tous nos téléspectateurs à rester scotchés parce que ça sera vraiment 26 minutes de découverte, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Très bien. Donc on vous suit. Voilà, on y va. Chemin faisant, nous avons fait escale aux alentours des digues de ces deux barrages aménagés. Alors là, nous sommes de la plantation d'EVA. Nous nous retrouvons à nous voir juste à côté d'un lac. De quoi s'agit-il, Monsieur le Président? Il s'agit d'un étang. D'accord. Nous sommes ici sur la digue. Ah, d'accord. Qui a été construite pour barrer le lit du ruisseau qui passait par ici. Et ce sont des eaux de pluie qui viennent de tous les bassins versants et qui coulent quand ça déborde d'ici jusqu'à la Koumoué qui est à peu près à 5 km d'ici. Oui. Très bien. Donc on a beaucoup de poissons. Oui. Nous avons ensemencé ces lacs avec des tilapias. Il y a beaucoup de poissons. Les travailleurs peuvent venir pêcher pour leur consommation. Très bien. Et tout à l'heure, on a vu également quelqu'un qui est en train de pêcher. Et c'est ouvert à tout le monde? Comment ça se passe? Non, je crois que celui-là a été sollicité pour venir faire des prises pour les populations. D'accord. Donc pour ceux qui veulent consommer le poisson on va dire de chez Bédié-Cro, où est-ce qu'on pourrait s'en procurer sur le marché ou... Ben, ça ne se vend pas, mais on vient le prendre... disons bord-champ. Bord-champ. D'accord, Monsieur le Président. Donc après cette étape-là, où est-ce qu'on y va? Nous allons dans la grande plantation d'EVA. Encore. Dans la plus grande. Hein, oui. Là maintenant, direction dans la grande plantation d'EVA. D'EVA. Téléspectateurs, on y va. Monsieur le Président, on vous suit. Oui. En ce lieu, notre brave paysan du jour a fait une halte pour encourager ses travailleurs dévoués. Yamo Yamo, Momo, voilà. D'accord, Monsieur le Président, mais on constate que les feuilles jaunissent, c'est dû à quoi? Mal entretenu? Non, c'est la saison. Ah!
ce sont des cycles qui se répètent. Tous les ans, pendant la saison sèche, les feuilles jaunissent, tombent et d'autres nouvelles feuilles apparaissent. C'est comme le printemps en Europe où c'est le renouveau de la nature. Et on a vu que vous les stimulez, Monsieur le Président, quand ils vous voient comme ça, ils sont contents, ils ont fait plaisir. Ouais. Et on trouve des femmes également. Oui, nous qui pensions que c'était réservé qu'aux hommes. Non. Les femmes ont occupé tous les métiers maintenant. Waouh, ouais. C'est génial ça. Mm. C'est génial. Très bien, Monsieur le Président. Donc souvent, elles le font dans les champs vivriers pour elles-mêmes, mais là, elles sont salariées. Donc ça fonctionne un peu comme une entreprise, chaque fin du mois. Oui. Ils sont payés. Oui. Alors. Il y a une comptabilité pour la plantation. Ah. En ce moment, avec les cours qui sont tombés très bas, la plantation est déficitaire. Oui. Soucié du bien-être de ses manœuvres, sur place, il a constaté un cas de maladie d'un de ses employés qu'il a demandé à faire évacuer sur Daoukro. Amo. Amo. Danse. Anike. Anibara aussi, non? Merci beaucoup. Maintenant, monsieur, vous en va où? Nous allons encore dans la plantation. D'accord, on continue la visite. Oui. Monsieur le Président, à quoi on assiste actuellement? Actuellement, on assiste à la pesée des fonds de tasse. D'accord. Vous avez là un lot de 29 kilos sur la balance. D'accord. Si on enlève 1 kilo à cause du saut, ça fait 28 kilos. Donc c'est comme ça qu'on s'y prend pour avoir le... Tout ça, ce sera encore... plus séché et on amène à l'usine, c'est là-bas qu'on transforme en poudre et pour fabriquer après des barres de VA. Très bien. En tout cas, Monsieur le Président, félicitations pour ce qu'on a vu et là, ça me donne l'occasion de vous permettre de lancer un appel aux cadres de la région qui hésitent encore à s'intéresser au travail de la terre. D'abord, ils sont tous sensibilisés maintenant. Ils savent qu'ils peuvent tirer des revenus substantiels pour leur propre autonomie financière. Et ceux qui hésitent encore, je les encourage à s'engager en s'inspirant de l'exemple que nous leur présentons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et après cette étape-là, nous allons... voir les animaux. Les animaux. Le cheptel. Génial. On vous suit, Monsieur le Président. Ouais. D'accord, Monsieur le Président. Donc là, nous sommes arrivés. Nous découvrons les animaux. Derrière moi, il y a une partie. Une partie. Du cheptel. Très bien. Qui vit sur les pâturages d'ici. Il y a à peu près 700 têtes d'animaux. Je pense que l'élevage est un complément de l'agriculture. Souvenez-vous de Sully qui disait que l'élevage et l'agriculture sont les deux mamelles de la France. C'est bien dit. J'allais en venir. C'est bien dit, Monsieur le Président. Donc, on comprend tout de suite que vous n'avez pas voulu simplement faire de l'agriculture, je veux dire, et écarter l'élevage. Ouais. Et comme le ministre Adjumani aime à le dire, on ne peut pas manger la tiquée sans le poisson. Voilà. D'accord, Monsieur le Président. Ouais. On estime, je veux dire, tout ce que nous avons visité à environ 12 000 hectares. Est-ce que c'est vrai? 2012. Hectares. Ah, 2012 hectares. Hectares. Très bien. Bon, en dehors des bœufs, il y a des porcs. D'accord. Et puis, il y a des moutons. Ah, des moutons également. Des moutons.
Mais les moutons, très petit nombre. Et les poulets? À peu près une cinquantaine. Une cinquantaine. De moutons. Il n'y a pas de poulets, hein? Non. D'accord. Non, pas encore. Pas encore. Alors, c'est un projet. D'accord. Nous allons profiter. Les femmes du secteur du vivrier vous suivent. Et elles abattent également un travail colossal pour nourrir et pour approvisionner nos marchés. Absolument. Un message à leur endroit. Je les félicite. Elles sont courageuses. Elles travaillent bien. Très bien, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, nous avons décidé d'organiser la 5e édition des Journées nationales de la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Daokro. Vous le savez, c'est un peu l'esprit de la Coupe nationale du progrès que nous reprenons. Oui. Quel sentiment avez-vous? Ben, je suis très heureux qu'on revienne à un de mes enfants chéris, la Coupe nationale de l'agriculture. Donc nous serons les bienvenus à Daokro? Absolument. Et surtout à la plantation ici, où pourra se tenir le déjeuner champêtre. Merci, au bord du lac. Au bord du lac. Merci, Monsieur le Président. L'on a pu voir et apprécier le caractère visionnaire et le sens du don de soi du brave paysan Bédier à l'égard de ses collaborateurs qui lui en témoignent toute l'estime et la reconnaissance. Le président Henri Konan Bédier est pour nous un exemple dans le monde agricole. Je me rappelle encore, j'étais cadre en activité dans une société, une multinationale de la place, quand le président, à cette époque, m'invitait à m'investir dans la terre. Et comme tous les jeunes de cette époque, j'avais pensé que le travail de la terre était un travail avilissant. Au moment de prendre ma retraite, je me suis rendu compte que malgré les investissements que j'avais faits par ailleurs, la terre nourricière manquait à mes investissements. C'est ainsi que je me suis investi dans l'évéaculture dans la région de Daokro. Aujourd'hui, je pense que si j'avais écouté le président Bédier plus tôt, je serais encore un homme beaucoup plus heureux. Je voudrais inviter les uns et les autres, mes frères qui s'adonnent à l'agriculture comme moi aujourd'hui, à faire en sorte que les idées du président Bédier triomphent pour notre bonheur, pour le bonheur de nos devanciers et pour le bonheur de ceux qui vont arriver. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobina Kwasi Adjoumani, ayant pris part à la visite, nous donne ses impressions. Tout récemment, vous étiez à Manvi, je vous disais que le modèle auquel moi j'ai toujours voulu ressembler, c'est Henri Konan Bédier. Donc l'expérience d'aujourd'hui montre que cela est vrai. Nous sommes ici à côté d'un grand lac où le président produit du poisson. Et cette production est mise à la disposition des populations. On a vu des plantations de bananes. On a vu toutes sortes de plantations. Même il y a du palmier ici. Cela veut dire que le président Bédier travaille pour la postérité. Et ce qui est remarquable dans ce qu'il fait, c'est qu'il continue toujours de planter. Et ça, c'est important. Nous souhaitons que tous les Ivoiriens l'utilisent comme modèle. Aujourd'hui, des gens se promènent partout. Nous sommes fils de paysans, mais le vrai fils de paysan, c'est Henri Konan Bédier. Et lui-même, il a des fils paysans, dont nous. Alors donc, ceux qui bavardent, qui se promènent dans toute la Côte d'Ivoire, nous sommes des fils de paysans. Alors qu'ils n'ont même pas un seul pied de cacao, qu'ils viennent ici, alors ils verront qui est vraiment le fils de paysan. Donc quand le président Bédier dit quelque chose, les gens doivent suivre ça à la lettre. Aussi, les riverains de ce paisible campement ne restent pas insensibles face à toutes les largesses de leurs bienfaiteurs. Il faut dire que je suis les deux côtés, l'élevage et l'agriculture, la culture des VA. Cette culture qui vient à point nommé, et qui a été introduite depuis 1994 par le président Bédier, qui... comme vous le voyez, rend tout le monde heureux, étant donné que beaucoup de jeunes s'adonnent et ça nourrit son homme. Nous ne pouvons que lui tirer le chapeau et lui emboîter le pas, faire semblant de lui ressembler en fait. Voilà, je dis beaucoup merci au président Bédier qui a eu cette ouverture d'esprit de nous trouver cette culture. Au départ, le président a invité pratiquement tous les cadres à la culture de l'EVA.
Mais nous n'avons pas cru parce qu'on a dit que l'EVA prenait du temps. L'EVA, il fallait attendre 7 ans pour arriver à la saignée qui pourrait nous porter de l'argent. Eh bien, nous avons trouvé que 7 ans, c'était trop. Donc, nous n'avons pas voulu suivre le président. Et pour cela, ils sont allés construire un complexe hôtelier. Et puis, en 1999, malheureusement, est arrivé le coup d'État où Daoukro était devenu une zone infréquentable. Personne ne venait et j'ai dû fermer l'hôtel. Et c'est maintenant que je me suis mis à la culture de l'EVA. Quand le président m'avait dit si j'avais suivi, eh bien, j'allais être au moins l'un des grands producteurs maintenant. Le président, comme vous le savez, c'est un monsieur, on peut dire qu'il est agricole hein, lui-même, parce qu'il aime la terre. Et depuis lors, donc, il entreprend des cultures, l'élevage. Il a toujours incité les Ivoiriens, ceux qui pourraient avoir au moins un petit lopin de terre, de créer une plantation. Même les femmes dynamiques du vivrier ont tenu à le relever. Nous disons merci au président Bendier parce qu'il fait tout pour nous. Nos maris saignent de l'EVA et nous les femmes, vous le constatez, nous faisons les ignames pour nourrir nos enfants. Tout ça là, c'est pour nous. Nous disons merci au président Bendier. Au terme de cette visite inachevée, vu l'immensité de son exploitation, c'est tout ému et dans une ambiance de gaieté entretenue par le président que nous avons pris congé de lui. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais appeler tous mes parents de Daoukro pour qu'ils accueillent les prochaines journées avec enthousiasme. Parce que quand on voit que le président Bédier nous montre de vastes étendues de plantations, culture vivrière, la banane, mais il y a des plantations de riz partout, on ne parlera pas de culture pérenne, ça c'est à profusion. Madame Jennifer lui demande, mais et ces plantations de bananes? Il dit non, les plantations de bananes, on ne vend rien, ça sert à nourrir les ouvriers qui travaillent ici. On va, on trouve ces étangs, lui-même il nous explique. On dit, mais vous vendez? Il dit non, on ne vend pas. Et les gens viennent prendre le poisson pour aller se nourrir. Voilà un monsieur qui est en avance. Il est en avance et malgré son âge, il continue de planter. Si lui, malgré son âge, il continue de planter, nous autres qui sommes plus jeunes, que devons-nous faire? C'est pourquoi je voudrais interpeller tous mes pères, tous les membres, le président du conseil régional de l'IFU, où j'exerce, et le ministre Koumoué Kofi, tous les conseillers régionaux, en tout cas toute la population, tous les députés, les élus, tous les maires, pour qu'ils s'investissent dans les prochaines journées nationales de valorisation de l'agriculture avec Mme Jennifer. Parce qu'avec elle, c'est l'agriculture vivrière au concret. Avec elle, on prend conscience de ce que l'agriculture peut nous apporter. Il ne suffit pas de dire aux jeunes, allez à la terre, allez à la terre. Et c'est l'exemple que le président Bédier nous montre. Je pense qu'il n'y a pas meilleur milieu que Daoukro, que l'exemple du président Bédier, pour dire que les politiques d'un certain niveau, nos dirigeants eux-mêmes peuvent donner l'exemple. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être resté en notre compagnie. Grand merci au président Bédier pour cette casquette et pour cette journée magnifique passée en sa compagnie. Que Dieu le bénisse et vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, l'Afrique. À très vite.